Dans la nuit nimoise, le peuple du taureau s'est réuni vendredi soir pour montrer son attachement à la défense des cultures taurines. Sur le parvis des arènes de Nîmes, 2 à 3 000 aficionados s'étaient réunis aux côtés de nombreux élus locaux, régionaux et parlementaires pour réaffirmer leur passion de la tauromachie et condamner les récents actes de provocation initiés par des groupuscules anti-taurins à Nîmes et Rodian. On a le droit de pratiquer nos traditions et de les vivre. La corrida est un art. Et ce qui est inadmissible aujourd'hui, c'est que ceux qui sont anti-Corrida utilisent des moyens scandaleux pour venir s'enchaîner. Des aficionados, des anonymes et des nîmois qui ont manifesté en silence en déposant des centaines d'œillets au pied de la statue de Christian moncouctiol Nimeño II, profanée en septembre dernier par les antitaurins. Une icône de l'afficion française dont on célébrera les 20 ans de la disparition en novembre prochain. Au moment où certains parlementaires s'impliquent au quotidien dans la défense de la tauromachie, on a créé un groupe avec le sénateur-maire de Béziers comme copréside. Et effectivement, on a quelques sénateurs, même des sénateurs d'autres régions du nord par exemple qui ont adhéré à la démarche. On a prouvé à tous les anticorridas ce soir que nous on n'a pas besoin de faire venir des gens de Belgique pour avoir du monde. Euh, on a des nimois, vous voyez, le parvis des arènes est rempli et tout ça dans le respect, dans la dignité. Un rassemblement qui intervient à un moment clé de la radicalisation des actions antitourines. Suite à l'inscription au printemps dernier de la tauromachie au patrimoine immatériel culturel français, un incendie criminel avait été perpétré cet été au domicile du président de l'Observatoire national des cultures taurines. Attentat revendiqué ce week-end par la section espagnole du Front de libération des animaux, mouvement extrémiste animalier originaire des États-Unis et classé comme une organisation terroriste à travers le monde.